Salut à tous et bienvenue, c'est Farah de la communauté CER, je suis ravi de vous accueillir donc pour cette nouvelle série de découvertes autour de ce coup-ci le MMORPG Free to Play Vindictus. Alors Vindictus, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement un MMORPG d'action. D'action dans le sens où c'est vous qui contrôlez les attaques de votre personnage avec le clic gauche et le clic droit et vous faites des combos, etc. Et principalement le thème de ce jeu, c'est la découverte et l'exploration de zones infestées de monstres avec à chaque on va dire étape un boss à tuer et à la fin donc de cette zone il y aura donc un big boss qui est le big boss de la zone à tuer. Voilà, donc plutôt du hack and slash oui, en effet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu? Il a des grosses influences nordiques, donc comme vous pouvez le voir déjà au thème du titre, etc. Puis plus tard dans le jeu vous verrez, les graphismes sont assez, c'est pareil au niveau des maisons, des trucs comme ça orienté nordique. Et voilà, donc on va se passer tout de suite dans le feu d'action. Alors pour cet épisode principalement, je vous montrerai comment ça s'appelle, la création de personnages, tout simplement. Et j'étudierai chacun des différents personnages avec vous. Alors. Vous allez voir, en fait, les graphismes sont très très typés en fait des différents MMO asiatiques. Enfin, très typés. Disons qu'on sent la grosse influence, etc. Vu que c'est un développeur coréen, je crois, DevCat, qui l'a développé à la base. Et bien sûr, ça a été après publié par des NCSoft, n'importe quoi, Nexon. Donc, il y a quand même, on va dire, une grosse, on va dire, influence, c'est pareil, asiatique au niveau de la patte graphique des personnages. Lan is a warrior type character who dual wields weapons. He is recommended for players seeking a fast-paced action game experience. Lan hits enemies quickly and ruthlessly. He excels at dodging enemies, even multiple blows in a row. Voilà, donc nous commençons donc par ce personnage, Lan, qui est un des premiers qui est sorti. Donc il joue, bah, comme vous voyez, il se joue avec deux épées ou deux lances. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est un personnage qui attaque très rapidement, qui est fait pour des pop, des packs de monstres hyper rapidement. Par contre, qui est assez squishy. Donc, et qui est basé sur l'esquive, et heureusement d'ailleurs, parce que s'il prend le moindre coup, il peut du coup mourir assez vite. Le deuxième personnage, c'est Fiona. Oui, comme la princesse. Though she is more difficult to control, she offers a deeper combat experience. Fiona gains greater attack range the more she attacks. And she possesses a powerful counterattack that takes advantage of vulnerable enemies. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, c'est une guerrière qui se bat à l'épée et au bouclier, ou au marteau et au bouclier. Donc c'est un des tanks, je dirais plutôt off-tank en fait, plutôt. Bien sûr, vous pouvez la jouer en main tank, mais c'est quand même moins efficace que le perso main tank sur lequel je reviendrai après. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, son bouclier, donc là c'est un léger, je crois que là actuellement ils lui ont fait tenir. Mais techniquement, elle peut porter donc des boucliers lourds qui lui permettent de bloquer en fait les attaques des big boss. Donc ce qui est quand même assez ouf parce que ça doit être l'un des rares personnages à pouvoir le faire. Voilà, donc après elle a quand même des attaques rapides à l'épée et donc comme vous pouvez le voir au coup de pied. Voilà. Donc assez sympathique à jouer pour ceux qui jouent en solo, parce qu'elle n'est pas vraiment hyper difficile à jouer et ses combos sont assez... Ça c'est son finish je crois. Oh.
Oh putain, magnifique. J'avais jamais vu les finishes comme ça. Donc voilà, donc typiquement en fait, à la perso of tank. Moi j'aimais bien la jouer moitié tank, moitié DPS parce qu'elle passait quand même bien dans ce côté-là. Ensuite, Karok. Karok is a giant warrior who wields a large pillar. No one else can use such a massive weapon. He is slower, but hits much harder. Karok's pillar can be swung around and thrown to attack. He can throw the pillar to hit distant enemies and shift to barehanded attacks to experience a whole new style of combat. Donc lui, c'est par contre le main tank du jeu parce que bah il peut, comme vous le voyez, contrer. C'est l'un des seuls persos qui peut le faire. C'est le seul, je crois, perso qui peut le faire. Il peut contrer donc les attaques des boss. Et rivaliser en termes de force avec eux. Après, donc il y a quand même des gros dégâts. Mais il est hyper lent. Donc c'est vrai que bah, faut aimer. Faut aimer. Ensuite, le prochain perso, c'est Kai. Kai, c'est un archer. Kai is a swift and powerful warrior who wields a bow. Kai's bows can be reconfigured for long range or close quarters battle, giving him the freedom to change tactics on the fly. Maintaining his distance will keep Kai alive. Using his dodge grapple skill, Kai can dash to safety and escape from danger when cornered. Kai isn't limited to distance attacks. His melee attacks are quite powerful if used wisely. His fearless spirit makes him extremely useful against bosses. Kai can unleash focused shots to dramatically increase his damage. Some will even disrupt enemy movement, allowing for a follow-up attack. When surrounded, Kai can use skills like Eagle Eye Assault and Arrow Storm to dispatch multiple enemies. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, c'est donc un archer. Il a la capacité en fait de transformer en fait quand il se bat à l'arc. De switcher en fait entre arc court et arc long, sachant que l'arc long, bah, tout ce qu'il peut faire c'est des attaques chargées là comme vous le voyez, qui vont faire très mal, mais ils vont l'empêcher de bouger et il va devoir les canaliser. Donc c'est à utiliser avec précaution. Par contre après son arc court lui permet de tirer rapidement et de défaire pas mal d'ennemis. La particularité qu'il a, c'est qu'il peut viser un ennemi, notamment les boss en fait, surtout utilement les boss, et donc viser leurs points faibles, et genre bah, par exemple le boss rouge que vous avez vu tout à l'heure contre lequel Karok faisait le duel, viser sa tête et lui faire sauter le casque, par exemple. Voilà, c'est un des exemples, mais il peut être utilisé pour plein d'autres trucs. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, voilà, exactement, c'est ça. Je crois qu'après, ce qu'il peut prendre, c'est une arbalète. Voilà, lui, sa deuxième arme, c'est l'espèce d'arbalète de poing là qu'il a. Enfin, deux poings, n'importe quoi, une arbalète, tout comme moi. Donc, le deuxième perso, notre suivant, c'est Vela. Vela is a swordswoman that uses twin swords to decimate her enemies. Vela relies on overwhelming speed and well-timed attacks to tear through her foes. Her signature move is the cross attack, a combat form that delivers lethal blows with pinpoint precision. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, en fait, c'est un perso, c'est pareil. Alors, c'est l'équivalent féminine de LAN, je dirais, en un peu plus rapide et un peu moins solide. Elle va pouvoir attaquer hyper rapidement et surtout, bah, du coup, pas mal d'esquives, etc. Et enfin, je crois qu'avec ses chaînes, parce qu'elle peut enfin, elle peut choisir entre soit deux épées, soit deux chaînes, et avec ses chaînes, elle peut effectuer énormément de contrôle sur tout ce qui est boss et des choses dans le genre. Voilà. Donc le suivant c'est Urk. Urk qui se bat donc à l'épée à deux mains. Urk is a powerful warrior wielding a massive sword. He charges headfirst into battle, counting on aggression and raw strength to achieve victory. He often risks great harm to himself to ensure the total devastation of his enemies. The relentless skill combines many of his powerful attacks to keep up the pressure until victory is certain.
Even when protecting himself, Herc uses reckless methods. When attacked, he uses the aptly named Impenetrable skill to charge back into the fray. The Revenge skill allows him to inflict great damage on the enemy that attacked him. The Deflection skill not only blocks a powerful attack, but also stuns the enemy. This skill can turn the tide against bosses. Voilà, donc lui principalement, voilà, il fait énormément de dégâts. Qu'est-ce qu'il peut faire Putain, ils sont trop stylés, j'avais jamais vu les finishes. Voilà, il va faire énormément de dégâts avec son épée à deux mains. Il va faire des dégâts de zone également, donc un perso DPS, mais qui reste assez tranquille quand même. Lin, qui va se battre donc avec une lance. C'est le perso suivant. War came to the east, and the princess was forced to flee her kingdom. Lin sliced a path to these lands with her battle glaive, dancing among her foes as the Reaper of Death, punishing their missteps with graceful efficiency. She was swift, precise, hard to catch, trained to strike and disappear. She... Voilà, donc je suis en train de me rendre compte que j'en ai oublié une. Donc techniquement parlant, elle donc qui va se battre à la lance, à des attaques rapides, et elle est spécialisée en fait ce qu'ils appellent dans le hit and run, où en gros vous allez frapper, éviter, ça va être ça. Et elle va toujours maintenir les mobs à distance avec sa lance. Oui, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié Evie. Evie, la seule mage, enfin l'une des deux, trois, je suis en train de dire des conneries parce qu'à l'époque c'était la seule mage, mais maintenant il y en a plus. Donc en tout cas, la seule vraie mage, c'est-à-dire avec bâton et sortilège, du jeu. Evie is a magician type character that uses alchemy. She is recommended for players who prefer to cast magic from a distance. She can use magical attacks like magic arrow, or use firebolts to knock out enemies with a single blow. She can repeatedly blast enemies with mana pistols. She can also aid party members with her magic. Evie can change the property of objects, and even revive party members by sacrificing her own health. Evie can summon golems to do her bidding. Voilà. Donc typique mage en fait. Donc elle va utiliser des attaques à distance, qui est assez chaud dans le jeu, sachant que tous les mobs plus ou moins attaquent au corps à corps. Je dis bien plus ou moins parce qu'il y a quand même 2-3 archers, mais dans les sbires ça change pas grand chose. Oui, c'est. Enfin, pour l'avoir joué, elle est assez stylée à jouer. Elle a beaucoup de sortilèges différents. Et surtout, elle peut donc switcher. Enfin. Si vous le souhaitez, passer du bâton à la. Voilà, à la faux. Et en fait, avec la faux, faire plus ou moins de la magie du sang et. Enfin, genre blesser ses ennemis, mettre des dots, etc. pour qu'ils saignent et utiliser leur sang avec sa magie. Donc c'est un truc qui va quand même être assez ouf en termes de dégâts. Et ce qui était très drôle avec elle, c'est que je me rappelle des boules de feu notamment qu'elle lance, c'est l'une des premiers skills qu'elle va utiliser en tant qu'utilisatrice du bâton. Au moment où ça explosait, si jamais vous ou un de vos potes étiez pris dans le truc, genre vous étiez sourd pendant quelques minutes et vous aviez le fameux bip dans vos oreilles. C'était très drôle. Il y avait des mages qui adoraient faire ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur elle? Non, je crois que c'est tout. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié un truc principal. Comme ça, il y a un qui me vient. Donc voilà. Mais disons qu'elle est assez stylée pour ceux qui aiment bien la magie. Ah si, un truc, c'est l'une des rares en fait qui peut heal, entre guillemets. Vu qu'elle va pouvoir prendre des objets du décor. Mettons par exemple, j'ai une connerie, vous voyez, elle va prendre une amphore, une poterie, n'importe quoi. Et elle va la transformer en item de soin. Qui va du coup tomber au sol et du coup tout le monde pourra prendre des trucs. Donc son alchimie en fait l'un des seuls persos entre guillemets support du jeu. Quand vous la jouez au bâton. Alors là pourquoi on va attaquer dans les persos magiciens, donc au final c'est pas si mal que je l'ai oublié. L'autre perso c'est Arisha. Arisha qui se bat donc avec l'épée, une épée de magie, un petit peu comme le Magus dans Pathfinder. Arisha's exotic spell sword and magical focus worked as one, driving back the dark and brilliance of her spirit. None in this world had ever faced her kind.
She came at them with a blade wreathed in the very ether itself, calling upon the forces of the arcane to demolish her enemy. She was a blinding streak in the dark, bewildering and deadly. Even the most fearsome creatures were helpless. Voilà, donc elle en fait, elle va avoir des sortilèges, donc comme vous voyez c'est dans sa main droite, gauche, voilà, et une épée. Ces sortilèges en fait, ça va être une espèce de sort qui laisse le temps, elle va le lancer, et je sais pas si on le voit, non on le voit pas, en gros elle va l'utiliser pour faire plein de trucs différents, genre par exemple, il va aller, elle va choisir donc bah, de le lancer derrière les monstres, et il va, enfin ça va pouvoir devenir soit une bombe, soit une espèce de fontaine de mana qui va pomper l'énergie, donc la vie en fait des mecs qui sont dedans, et bien sûr elle va pouvoir donc rappeler ce sortilège, une fois qu'il revient bah, il blesse toutes les créatures sur le chemin, donc ce qui est assez puissant, et en plus donc elle a ses skills à l'épée qui sont assez ouf vu qu'elle peut infuser de magie son épée, pour vous donner une idée, je sais pas si on le voit là, si on le voit là, voilà entre autres. Voilà, donc ça c'est typiquement ses spells qu'elle peut faire. Mais elle va être assez ouf dans le sens où bah disons que bah d'une part ses sorts sont vraiment puissants et dès l'instant entre guillemets où elle a chargé son mana, elle peut donc dépenser tout son mana pour infuser son épée de magie, et là ça devient une boucherie parce que elle genre quadruple ou décuple les dégâts de son épée. Donc c'est vraiment un perso qui est hyper intéressant pour ceux qui aiment bien la magie, enfin la combinaison de magie et d'attaque. Alors ça c'est Sylas. The mage came like a specter from the void, on a journey to break free of his past. Sylas and his phantom daggers whirled through foes in a performance of pain, drawing forth shards of energy to carve a bloody path at his command. He wielded his pain like a physical force, slashing, smashing and crushing until none were left to stand against him. Voilà. Donc en gros, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être plus ou moins un télékinésiste, en fait, qui va se battre avec donc ces espèces de dagues fantômes, comme il l'appelle. Je le connais pas trop bien, parce que ça fait partie des deux persos qui sont sortis récemment, que j'ai pas forcément suivi. Mais en gros, ça va être, voilà, il va être quelque part entre le mage de mêlée et le mage de distance, en fait. Voilà. Donc, pareil, je crois qu'il fait de la magie de support, un peu. Mais je pourrais pas dire grand chose parce que ça fait, c'est vraiment lui que je connais pas, quoi. Et enfin, donc Delia qui est la guerrière à l'épée bâtarde. C'est celle que je vous présenterai en fait dans les vidéos. Misled by her fragile appearance, her enemies fall prey to the brutality of her bastard sword as she crushes them with savage grace. Those foolish enough to cross her become her playthings, and she sends them to oblivion for her own twisted amusement. Unyielding in the face of death, Delia uses her royal training to dismantle her adversaries, be they a lone victim, a legion of mercenaries, or a towering behemoth. Voilà, donc elle va être, c'est pareil, comme un petit peu, bah c'est la version, le pendant féminin, oh là, je vais y arriver, le pendant féminin de Herc en fait. Elle va donc se battre à l'épée à deux mains, donc une épée bâtarde pour elle, et bah faire énormément de dégâts au moment de ses coups. Alors par contre, elle va avoir donc du coup des gros cooldowns, je sais que normalement on fait des espèces de pauses au milieu de ses combos, enfin à la fin de ses combos, donc ça peut être assez dangereux. Et par contre, donc avec la portée de son épée, elle va pouvoir donc taper énormément de mobs autour d'elle. Voilà, donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu, parce que disons que suite à un petit problème technique, on va dire, j'avais déjà tourné, on va dire, le début. Là, je vais vraiment faire une vidéo d'intro, entre guillemets, pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, les personnages, les trucs comme ça. Et après, je vous remettrai directement dans le bain avec une vidéo de mission, etc.
Donc je sais pas s'ils vont me faire le passage justement de... Non, ça va. Donc je vais pouvoir arrêter, annuler après ça. Très bien. Donc voilà, ici donc vous avez donc le création de personnage. Alors la création de personnage, ça vous permet donc de changer déjà la couleur de cheveux. Mettons, vous voulez en brune, paf, vous en brune. Voilà, moi perso, je vais mettre ces cheveux-là. Après, donc il y a différentes coupes de cheveux. Alors il n'y en a pas beaucoup au début, mais je crois qu'il y a possibilité d'en avoir plus tard dans le jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc au niveau de la peau, voilà, c'est pareil, vous pouvez modifier la couleur de peau comme vous le sentez. Je sais plus ce que j'avais mis, je crois que j'avais mis ça. Les yeux, pareil. Les sourcils, pareil, avec la couleur des sourcils. Ensuite, au niveau... Voilà, la texture de la peau. Après, au niveau de la taille, bon, évidemment, voilà, vous pouvez modifier pas mal de trucs. Les bras, la masse musculaire, la masse graisseuse, entre guillemets. Voilà. Donc c'est assez poussé quand même, hein. Et surtout donc la taille qui va être hyper importante parce qu'en jeu en fait plus vous êtes grand plus vous avez une hitbox qui est grande donc du coup plus les monstres vont vous feront pas facilement et plus vous consommerez de stamina pour vos attaques etc. Par contre d'endurance pardon désolé le mot anglais m'a échappé. Par contre vous ferez énorme enfin plus mal vu que vous êtes plus grand et vous tapez plus fort. Voilà et par contre quand vous êtes plus petit bah, vous esquivez plus facilement ce genre de choses. Voilà, donc après, bah, y a des pauses entre guillemets qui vous permettent de, voilà, déterminer, enfin de vous aider à choisir. Non, arrête tes conneries, sans déconner. Putain. Voilà, et après donc ils vous montrent donc avec le casque que ça donne, et je crois que c'est pareil, vous avez. Si j'ai pas de bêtises, voilà des previews des différents équipements que vous pourrez trouver en jeu. Donc c'est assez basique, mais en même temps c'est assez poussé. Le visage, vous pourrez pas forcément le changer parce que plus ou moins en fait tous les persos, enfin tous les persos de ce type-là, par exemple toutes les Delia, je crois qu'elles s'appellent, auront la même tronche. Par contre, au niveau des cheveux, du corps, de la masse musculaire, etc. Ça vous pourrez custom comme vous voulez. Voilà. Et bien voilà, donc je vais pas relancer le truc parce que donc, moi j'ai déjà créé la fille. Sur ce, je pense que je vais arrêter. Elle est vraiment stylée comme ça. Je vais arrêter la vidéo là. Voilà. On se retrouvera donc très vite pour un épisode 2 qui vous montrera plus d'action, etc. Donc j'essaierai de vous montrer un peu plus de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. N'hésitez pas à dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, toujours. En commentaire, et du coup, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous dire. Voilà, à bientôt et restez connectés.